Bonjour, je vous propose un tartare de pommes poire sur son lit de gelée citron thym. Donc pour faire le tartare pomme poire sur son lit de gelée citron, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'édulcorant, d'un sachet de sucre vanillé, de 2 petits citrons, d'une pomme, d'une poire, de 2 feuilles de gélatine et d'un bouquet de thym ou d'un sachet de thym à infuser. Et il faut aussi 400 ml d'eau pour l'infusion et un bol d'eau froide pour faire fondre, du moins pour faire ramollir la gélatine. On va commencer par mettre la gélatine à ramollir, justement, et on va infuser le thym. Donc on va faire bouillir l'eau et mettre le thym dedans pendant 2-3 minutes. Donc pendant que le thym est en train d'infuser, vous allez faire les zestes de citron et presser les citrons pour avoir le jus. Quand votre infusion est faite, vous avez passé pour enlever le thym ou vous avez juste enlevé le sachet de thym. Vous avez fait le zeste de citron, le jus de citron. On va mélanger le jus de citron à l'infusion, le tourner un peu, mettre le petit peu de zeste. Voilà. Là, on tourne un petit peu. On va prendre nos feuilles de gélatine qui ont un petit peu fondu. On va les mettre dans l'infusion et on va bien laisser la gélatine se dissoudre. Comme notre gélatine s'est bien dissolue, on va tourner un peu. On va mettre l'édulcorant. On retourne encore. C'est pour la sucrée. Voilà. On retourne bien. Dans un plat où on a mis un papier sulfurisé, on va couler notre gelée. On va la laisser pendant 2 heures au frigo. Je vais faire mon tartare de pomme poire. Donc je vais peler et éplucher ma pomme et ma poire. Donc quand vous avez épluché votre poire et votre pomme, on va les couper en petits dés pour faire le tartare. Quand tout a été découpé en petits dés, n'oubliez pas la petite goutte de citron pour éviter que les fruits noircissent. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, c'est vraiment pour éviter que le fruit noircisse. Et juste après avoir mis le petit trait de citron, on va ajouter le sachet de sucre vanillé. Donc j'ai vérifié juste avant que ma gelée avait pris. Donc là, je vais sortir ma gelée. Donc vous voyez, ma gelée a bien pris, et heureusement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à donner votre avis. Au revoir.